Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes à nouveau sur le chantier, c'est à nouveau la chaîne de Sauvelmash et je suis toujours Alexandre Soudariev. Nous avons à nouveau le déchargement et le transport de l'équipement de ventilation au deuxième étage du futur BTUI. Qu'est-ce qui se passe ici? L'année approche de sa fin logique, beaucoup a été fait, je le répète, l'année n'est pas encore terminée, mais réfléchissons un peu. Après tout, afin d'obtenir des résultats élevés, une bonne efficacité du travail, etc., vous devez effectuer un certain nombre de travaux préparatoires. Et tout ce que vous voyez maintenant, le rythme de l'agitation du nouvel an créé par nos constructeurs avec la livraison, la réception et le placement de l'équipement, ce sont tous les fruits du travail dont les germes ont poussé non seulement au cours de l'année, mais ils ont commencé à apparaître bien avant cela. La documentation d'études préalables a été élaborée, le projet a été élaboré, tous les permis nécessaires pour les travaux de construction ont été obtenus, ce qui signifie le passage de toutes les expertises et d'autres démarches. Et tout ce que nous observons maintenant est le résultat de l'interaction d'un grand nombre de personnes unies par un seul objectif, c'est le système. Et c'est grâce à cela, grâce à un travail coordonné, grâce à une bonne planification, grâce au fait que les gens sont unis, qu'ils sont tous prêts à travailler pour le résultat, que notre futur BTUI est né. Cet équipement de ventilation parle de la façon dont le bâtiment est réfléchi. Car déjà dans les vidéos précédentes, nous l'avons dit, et Dmitri Douyunov a également mentionné que le système de chauffage ne serait pas le même que beaucoup ont l'habitude de voir. Il n'y aurait pas de radiateur, il y aura des conduits, il y aura du chauffage, de la récupération de chaleur extérieure. Et tout cela permet de préparer non seulement des conditions de travail confortables, modernes, répondant à toutes les exigences, mais en même temps, cela permettra d'améliorer la qualité des produits fabriqués ici. Et si nous parlons de nouvelles technologies, de processus technologiques complexes, cette approche nous permet de travailler avec cette technologie. Après tout, comme on dit dans le garage, sur les capacités amorties avec les technologies obsolètes, il est impossible d'obtenir la précision, d'assurer les conditions nécessaires au fonctionnement d'équipements météorologiques complexes, d'équipements de production complexes, etc. Tout cela, sous nos yeux, se développe et se multiplie. Par conséquent, dans cette vidéo, je vous félicite déjà pour la nouvelle année à venir. Mais nous ne disons pas encore au revoir à cette année. Restez à l'écoute, suivez attentivement nos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube, au compte Instagram de Sauvelmash, où que vous nous trouviez, rejoignez-nous. Et restez au courant des dernières nouvelles. Bonne année, bonne humeur. Et ne manquez pas l'émission Temps d'experts qui sera jeudi à 14h de Moscou. Au revoir.